2027. Le plan Sénégal émergent PSE a plusieurs partenaires parmi lesquels la Corée du Sud qui soutient l'autosuffisance en riz à travers de nouvelles variétés en expérimentation dans la vallée du fleuve Sénégal en partenariat avec l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA. Parce que nos collègues coréens comme sénégalais qui viennent de faire des présentations dans ce cadre d'animation scientifique vous ont montré que les variétés coréennes sont très bien appréciées par les producteurs eux-mêmes qui les ont adoptées et pas seulement à cause de leur rendement mais à cause également des qualités culinaires. À la suite du séjour d'un expert coréen pendant 2 semaines pour constater l'évolution et le bon comportement de ces variétés, une journée d'animation scientifique a été tenue au pôle de recherche. Certaines variétés qui sont maintenant développées grâce aux croisements qui sont faits entre les variétés coréennes et sénégalaises. On espère qu'avec les nouvelles technologies, le Sénégal pourra atteindre cette révolution sur la culture. Le Sénégal a toujours été à la fois un bon élève pour sa capacité d'amélioration et d'adaptation de technologies importées, mais il a toujours été aussi une bonne école dans le continent pour la qualité de ses ressources humaines. Donc nous allons rééquiper notre labo de sélection, notre labo de production de semences, notre labo de défense du futur, pour mieux développer des technologies pour répondre aux problèmes des producteurs en production de riz. Nous sommes à quelques encablures du deadline du président Macky Sall pour l'autosuffisance en 2017 et l'ISRA a déjà multiplié par X les technologies.